Allô? Non. Faut pas pleurer. When I started reading the script, I was overwhelmed with joy and I felt that it would be an amazing experience. Je voulais te voir à propos du vote sur les primes et de mon licenciement. C'est pas de ta faute s'ils perdent leurs primes parce que tu restes. Leur dire que tu veux garder ton travail, que tu as besoin de ton salaire. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. C'est venu de faits divers, de lectures, de situations où, plus ou moins similaires, où la solidarité était mise en question par une proposition d'un patron. Puis il y a eu des faits encore avec la crise économique. La chose n'a, depuis 2008, la chose n'a fait que s'amplifier, la mise en concurrence des gens. Et on s'est dit, avec notre personnage, c'est peut-être l'occasion de faire ce film auquel on a déjà pensé et de raconter cette histoire où une femme qui n'y croit plus, qui se sent, je dirais, disparaître, qui sent qu'elle n'existe plus parce que les autres n'ont pas voté pour elle, ont préféré leur prime. Donc elle dit, moi je ne compte pour personne, j'ai plus envie de rien. Mais ils ont raison. J'existe pas, je suis rien du tout. Sandra. Nous avons présenté un extrait du dernier film des Frères Dardenne à 4 personnes. Dans la fiction, le personnage principal, Sandra, a 2 jours et une nuit pour convaincre ses collègues de renoncer à leur prime pour sauver son emploi. Je veux pas que tu perdes ton travail, mais je veux pas non plus perdre ma prime. C'est pas du tout de la fiction, ça existe. J'en connais d'autres, ça nous est arrivé. C'est la triste réalité. La peur du patron, tous les sacrifices qu'on doit faire pour garder son boulot. Certains travailleurs, maintenant, doivent faire le choix entre la solidarité avec les autres collègues ou leur sécurité financière. J'ai vraiment l'impression de travailler juste pour survivre, en fait. Si maman perd son travail, elle va encore être malade? Elle ne perdra pas. Mais c'est quand on a remis cette histoire en route qu'on a pensé à Marion. Sandra est devenue Marion et Marion est devenue Sandra. Je crois que... Allez, je dirais, on a senti Marion, c'était le deuxième jour. On a senti qu'elle devenait des nôtres, si je puis dire, qu'elle entrait dans la famille de nos personnages. I was intrigued by them choosing me. It was a dream to work with them. Tu dis ça pour m'aider, mais tu crois pas. Si, j'y crois. Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Mireille, pourquoi est-ce que tu veux pas me parler? T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Tu veux faire quoi? Il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes. Deux. Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Everything the Darden brothers do is to take the audience somewhere and to surprise them, to make them feel something super special. That's why I love their movies, and that's why I loved working with them. Je t'aime.